Voilà, je me retrouve à Paris, après plus de 10 ans d'absence. Et au moment où je suis en train de me remettre à écrire en français, comme j'ai commencé, après être passé au théâtre, dans d'autres langues, en Algérie. C'est difficile d'expliquer ça en peu de mots, mais je crois qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire en Algérie, lorsque j'étais à l'école française, et au temps de l'Algérie dite française. C'est-à-dire que, en ce temps-là, tout se passait en langue française, et pour nous, il était important de pratiquer cette langue, de pouvoir parler aux Français, ne serait-ce que pour leur dire ce qu'était l'Algérie. L'Algérie, encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on comprend très mal. Les termes même qu'on emploie pour la désigner sont des termes étrangers. Algérie, c'est un terme étranger. Ça vient de Al-Jazair, c'est un mot arabe. Et ce sont des termes touristiques, presque. Ça ne désigne pas encore le pays. Le pays, on devrait l'appeler à partir de la langue première, la langue des ancêtres, qui est amazighte. Mais ce mot est peu employé, il est occulté depuis toujours. Jusqu'à présent, ici, et même dans le monde, en général, quand on parle des origines du pays et de cette langue première, on emploie toujours un terme malheureux, c'est le terme berbère. Alors là, d'abord, c'est un terme péjoratif. C'est un terme qui a été employé par les Romains, après les Grecs, pour désigner les pays conquis, qu'on appelait toujours barbares. Alors, donc, en latin, barbarus, barbari, les barbares, ce terme est resté le terme pour désigner à la fois le pays, le peuple et sa langue. Et ça désignait pas seulement l'Algérie, d'ailleurs, en ce temps-là, ça désignait une grande partie de l'Afrique du Nord. Et maintenant, on se rend compte que ça débordait sur l'Afrique, le Mali, le Niger, et même sur les îles Canaries, puisque maintenant on a compris que les Canaries sont peuplées de Guanches. Il y a un peuple Guanche qui, jusqu'à présent, parle tamazighte. Bon, ces choses-là sont arrivées peu à peu à la conscience, mais il y a une constante chez nous, c'est que nous devons toujours nous appuyer sur un ennemi pour en combattre un autre. Ça s'est vu dans notre histoire déjà au temps de Rome et de Carthage, par exemple. Nous étions obligés, par exemple, nous avons le premier héros national, si on peut dire, Massinissa. Il s'est appuyé sur les Romains pour combattre Carthage. Plus tard, on a vu les mouvements nationaux s'appuyer sur Carthage pour combattre Rome. Plus tard, on a vu le mouvement national algérien s'appuyer sur les mouvements nationaux arabes pour combattre le colonialisme français. Mais maintenant, l'arabisme, l'arabo-islamisme devient l'ennemi principal en Algérie parce qu'il s'oppose à l'enseignement de la langue originale et il maintient l'aliénation de l'Algérie parce que le mythe arabo-islamique permet à la bourgeoisie là-bas d'occulter le passé du pays et donc de maintenir les gens dans une ignorance et dans un attachement sentimental à un passé manipulé, toujours comme un mythe, qui paralyse finalement toutes les énergies. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes, à proprement parler, perdus dans notre histoire et nous sommes à la recherche de notre langue première. Cette langue tamazighte, pour moi, comment le problème s'est posé par exemple? Bon, moi je suis, disons, j'appartiens à une tribu, il faut dire que les tribus sont très vagabondes chez nous. Par exemple, certaines dynasties qui sont nées à l'ouest sont parties de l'est, vice versa. Des distances énormes étaient parcourues par des tribus entières en ce temps-là. En tout cas, pour ce qui concerne notre tribu à nous,
ce que j'en ai découvert au début, c'était à l'Est. Au moment où je suis né, c'était dans l'Est, dans un village, Chaoui. Alors ça aussi, c'est un terme qu'il faut expliciter. Chaoui, bon, ça vient du mot arabe cha, qui désigne les moutons. Les Chaouis sont les pasteurs, les conducteurs de moutons, parce que justement cette région, comme d'autres en Algérie, ce sont des régions de haut plateau, des régions d'élevage où on peut voir des dizaines de milliers de têtes de moutons. Et donc les habitants, on les a appelés Chaoui. Les Arabes les ont appelés comme ça, quand ils sont arrivés. Si on fait le compte de tout ça, à l'heure actuelle, on peut s'apercevoir d'une chose au moins, c'est que malgré tout, cette langue, ce peuple, ce pays ont survécu à un très grand nombre d'invasions étrangères, suivies de siècles d'occupation et bon, de francisation, d'arabisation et même de romanisation. Si on fait un peu un retour en arrière, on peut comprendre par exemple que l'Algérie a été chrétienne à certains moments. Et on l'avait cru même profondément chrétienne, puisqu'il y a eu Saint-Augustin. Alors tout ça, c'est très mal expliqué, c'est très mal compris. Saint-Augustin, par exemple, chez nous, on le fête encore. C'est-à-dire que, alors que c'était le massu, du temps de, c'était une espèce de massu. C'est quelqu'un qui a réprimé dans le sang les révoltes des paysans, des ouvriers agricoles, au temps des donatistes, qui eux étaient les vrais chrétiens en ce temps-là. En quelques mots, là, je vous donne une idée de la grande confusion dans laquelle je suis né, moi, en Algérie. Étant né en pays Chaoui, arabisé, puisque c'est l'Est, les Arabes sont arrivés par l'Est, la Tripolitaine, la Tunisie et l'Est de l'Algérie ont été arabisés avant le reste du pays. Donc moi je suis né dans une région tamazirte, mais arabisée, où la langue première n'était plus parlée que dans les montagnes. Jusqu'à présent, d'ailleurs, on la parle dans l'Aurès, surtout, mais plus on descend vers les hauts plateaux, et plus l'arabe gagne. Ensuite, les premières années, donc, je n'avais aucune idée de cette langue, je ne l'avais jamais entendue même. Par la suite, mon père est parti pour une autre région de l'Est, mais plus proche d'Alger, Sétif. Là aussi, c'est une région de haut plateau, mais plus berbérophone, où déjà, je commençais à entendre les premiers mots de cette langue. Et je me souviens d'une scène qui a été déterminante pour moi. C'était les premiers jours de notre arrivée. Et bon, il n'y avait pas d'eau dans le village. Si, il y avait une fontaine publique. Il n'y avait pas d'eau dans les maisons, mais il y avait une fontaine publique. Et il y avait des porteuses d'eau. Et donc, il y avait une petite fille qui était venue chez nous, nous apporter de l'eau. Et elle parlait tamazirte. C'est la première fois que j'ai entendu cette langue, notre langue. Et elle disait à ma mère, « Akdawi ramal asmad, asmad », à peu près, je disais ça. Bon, ça veut... Alors, ma mère, elle n'a compris que « amal », et elle a compris « samt ». Alors, « samad » en tamazirte, ça veut dire « frais ». Elle voulait dire « je t'apporte de l'eau fraîche ». Ma mère, elle a compris « amen », c'est l'eau. Et « samad », elle a compris « samt ». Alors qu'en arabe, « samt », ça veut dire « fad »,« somatre ». Alors mon père arrive le soir, bon, il dit « comment, tu m'emmènes en exil ici ?» Et une petite fille de rien du tout, qui est venue se moquer de moi, elle me dit qu'elle va m'apporter de l'eau « somatre ». Tu vois, alors qu'elle voulait lui dire « je t'apporte de l'eau fraîche ». Là, j'ai compris. Après, bon, mon père lui parlait tamazirte. Et il a détempé ma mère. Et puis, petit à petit, bon, ma curiosité s'est éveillée pour cette langue. J'ai commencé à l'apprendre. Lorsque l'Algérie a commencé à être arabisée, deux formes d'arabes ont commencé à se développer. L'arabe du peuple et l'arabe littéraire, l'arabe sacré, l'arabe coranique. C'est un peu comme le latin et le français, le vieux français, le modèle français moderne d'aujourd'hui. Bon, c'est deux courants radicalement différents. C'est un peu comme l'arabe littéraire, c'est comparable au français qu'on parlait à la Sorbonne au temps où les diplômes se délivraient en latin. Enfin, il y a eu un temps ici, à Paris, où la langue de la culture, c'était le latin. Bon, chez nous, maintenant, il y a un courant qui veut imposer ça,
qui veut imposer une espèce de latin. Si bien que maintenant, si vous voulez, nos bulletins de télévision, nos bulletins d'information, c'est en latin. Personne n'y comprend rien. C'est un arabe sacré qui ne change jamais. C'est rituel. C'est une pléthore de mots et de tournures devenues quasiment sacrées qu'on emploie pour maintenir les gens à distance. Parce que moins on comprend et plus on admire. Et ça devient une espèce de... ça devient une manière de tenir le peuple à distance, de lui tenir en respect, et de faire qu'il ne comprenne rien, et donc par conséquent il ne s'avise surtout pas de parler ni de comprendre. Cet arabe populaire, qui est très riche, parce que c'est un arabe violé, c'est un arabe parlé à coups de pied, c'est un arabe parlé par des ignorants, c'est un arabe parlé par force, et c'est le seul arabe véritablement génial, parce que c'est l'arabe du peuple. C'est l'arabe où tous les jours se font des milliers de trouvailles. C'est l'arabe de la lutte. Et c'est un arabe qui nous appartient maintenant. Ce n'est plus l'arabe littéraire. Ce n'est plus l'arabe du Coran du tout. C'est même son contraire. Cet arabe-là, il est à nous. C'est de l'algérien, ce n'est plus de l'arabe. De ce point de vue-là, d'ailleurs, tous les peuples. Parce qu'on abuse des mots. On dit maintenant monde arabe, on dit pays arabe, on dit... C'est faux. Ce sont des peuples de langue arabe. Bon. Mais cet arabe-là, si vous prenez l'arabe du Liban, si vous prenez l'arabe de l'Égypte, si vous prenez l'arabe de la Syrie ou de l'Irak, c'est pas du tout la même chose. Chaque peuple a son arabe à lui. Bon, il a hérité d'une langue sacrée, très bien, mais il l'a manié à sa manière, il lui a imprimé son génie national. Et de ce point de vue, la langue arabe populaire, pour nous maintenant, est une langue qui nous appartient, c'est notre langue. Nous nous retrouvons là-dedans parce que c'est nous qui l'avons créée. Elle n'a plus rien à voir avec l'arabe du Coran. Donc cet arabe-là, j'ai continué à le parler, je le parlais à la maison, dans la rue. Et j'ai toujours vécu entre plusieurs langues. C'était un peu mon drame, mais aussi ma force à certains moments. C'est que, comme l'école était française, bon, j'étais dans une école française, la plupart de mes camarades étaient européens. Je vivais donc dans ce monde-là, à l'école, parfois même avec mes camarades dans la rue, mais rentrer à la maison, c'était autre chose, parce que non seulement nous parlions l'arabe populaire, mais mon père et ma mère pratiquaient aussi l'arabe littéraire. Même leur scène de ménage se faisait en arabe, parce que chez nous, la poésie allait un peu de père en fils. Si bien que je me rappelle que ma mère et mon père se battaient en vers, se disputaient en vers, quoi. Les scènes de ménage, ça se passait en vers, avec une verve extraordinaire. Bon. Donc il y avait une double attirance. Bon, d'un côté, cette langue... qui était, entre parenthèses, à la maison. La langue française qui m'attirait beaucoup aussi, parce que, à partir d'un certain temps, après avoir été un cancre à l'école, parce que j'avais une mauvaise institutrice, plus tard, j'en ai eu deux autres, qui étaient de très bonnes enseignantes. Et alors là, je me suis vraiment passionné pour la poésie, et pour la poésie, pour la littérature en général, et même très jeune, quand j'avais moins de 10 ans, j'ai été déjà nourri de Baudelaire, de Rimbaud, enfin, je dévorais les poètes, les écrivains français, et j'étais pris d'une espèce de passion, non seulement pour la poésie et la littérature, mais même pour l'histoire, parce qu'en ce temps-là, je me souviens, on nous apprenait la Révolution française de 89, par exemple. Et moi, ça me passionnait, ça. Ça me passionnait parce que je voyais là-dedans quelque chose qui concernait l'Algérie, c'était précisément la Révolution. Et je voyais, c'était en contradiction totale avec ce qui se passait... enfin, avec le colonialisme, avec ce qu'on faisait en Algérie au nom de la France. Mais quand on nous apprenait la Révolution, ça me brûlait, c'était des choses qui me passionnaient. Et je me souviens même, je pleurais aux défaites de Napoléon, des choses comme ça. Je m'identifiais jusqu'à un certain point à ce que j'apprenais à l'école. Et à chaque fois qu'elle va avec le plus grand, il faut le dire. Vas-y, vas-y. 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 Vas-y, vas
La brutale rupture, c'est en 1945, le 8 mai 1945. Bon, jusque-là, j'étais un bon élève de l'école française, dans une Algérie française, avec une mère et un père qui me parlaient arabe, mais tout à fait à part. Et bon, la contradiction a éclaté lorsque le 8 mai 1945, qui était le jour de la victoire contre les nazis, ce jour-là, le mouvement national algérien a organisé des manifestations pour l'indépendance. Moi, je n'en savais rien. Bon, on nous avait libérés. J'étais interne au collège de Sétif, donc nous avait libérés ce jour-là. Et puis, en sortant, j'ai vu un cortège passer. Il y avait des camarades dans ce cortège. Je me suis joint au cortège. Il y a eu des coups de feu. Et hop, je me suis retrouvé en prison. Et là, j'ai pris conscience. Parce qu'effectivement, en prison, ce peuple que je n'avais pas pu voir de près, il était dans la rue devant moi, mais je n'avais pas encore pu le voir. En prison, je l'ai vu. Et ensuite, bon, je l'ai encore mieux vu quand on nous a mis dans un camp où nous étions 6000. Alors là, c'était une espèce d'Algérie. C'était extraordinaire pour moi, ça a été une très grande découverte. Et à partir de là, bon, j'ai compris que l'Algérie n'était pas française, que ce que j'apprenais à l'école, c'était faux. Et donc, les études ne m'intéressaient plus. Je me passionnais de politique, bien que le mot soit un peu terne. Parce que la politique, c'est pas la politique des politiciens. Pour moi, c'était une révélation. La révélation de ce qu'on était, de ce qu'il fallait faire, la libération, comment libérer ce peuple qui était devant moi et dont j'avais appris beaucoup. Et je voulais communiquer avec lui. J'ai eu la chance d'être édité quand j'avais même pas 16 ans par un drôle d'éditeur, c'était un imprimeur en faillite. Et en ce temps-là, j'étais amoureux de Nejma. Et je développais un profond chagrin, je buvais beaucoup. Et un matin, un bar qui s'appelait le bar de l'Escale, je me souviens bien, qui ressemblait à un bateau, il était vide encore, il venait d'ouvrir. Et j'entre dans ce bar, je demande un blanc sec, je découvrais en ce temps-là le blanc sec. Et puis entre un bonhomme très corpulent, avec un chapeau blond, c'était un breton d'ailleurs. Et lui aussi demande un blanc sec. Et on était tous les deux seuls au comptoir. Et puis bon, on discute, on parle. Puis il me dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, bon, je suis étudiant, mais je n'ai pas envie de continuer, je veux écrire. Ah, il me dit, ben, moi, j'ai une imprimerie, et justement, je suis en faillite, je vais partir. Amène-moi tes trucs, je lui amène mes poèmes, et il les publie. Il les publie en 1000 exemplaires. J'étais très fier de ça, bien sûr. J'ai dit à tous mes copains. Puis j'ai été naïvement dans la plus grande librairie de Annaba, c'était naturellement des Européens, des colonialistes, et je leur ai donné le livre. Bon, sur le coup, ils m'ont rien dit, puis moi j'ai ameuté tout le monde, je leur ai dit, voilà, mon livre est exposé, ça y est, etc. Bon, tout le monde y va, puis le livre n'y était pas, il n'était pas exposé. Parce qu'ils ont vu mon nom après coup, bon, ils ont vu que j'avais porté un nom qui n'était pas français, donc ils l'ont mis de côté. Alors à partir de là, ça m'a encore rapproché des gens, parce que tous ces gens, tous ces amis, bon, parce qu'il y avait le mouvement national, il y avait même des analphabètes, par solidarité, comme si j'avais été un footballeur ou n'importe quoi d'autre, mais algérien, simplement. Contre le colonialisme. Ils se sont solidarisés. Et à ce moment-là, mon livre, c'était formidable. On le voyait chez les gargotiers, chez les coiffeurs. Il commençait à circuler. Même des gens qui ne savaient pas lire l'achetaient. Et à partir de là, moi, ça m'a rapproché encore plus du mouvement national. J'ai commencé à mélanger un peu l'agitation politique et la littérature. Ça allait ensemble. Ça, bon. Mais au bout d'un certain temps, je me suis dit, il faut que j'aille à Paris. Parce que continuer comme ça, j'étais encore fragile. Je sentais qu'il fallait me renforcer, apprendre. Et puis aller dans la gueule du loup, vraiment, dans la capitale de l'impérialisme. C'est là que je devais venir, c'est là que ça devait, l'épreuve décisive devait se passer. Alors bon, je suis venu ici, une première fois. J'ai commencé, j'ai publié quelques petites choses dans les lettres françaises, Mercure de France. J'ai commencé à prendre quelques contacts. Et puis je suis rentré en Algérie, où j'ai fait une expérience dans un journal anticolonialiste, un quotidien. Algérie républicain pendant plusieurs années, et puis bon, la mort de mon père, des responsabilités familiales, et la rencontre de Gatti, justement, et bien des choses ont fait que je suis revenu en France en 52, et à partir de là, j'ai trouvé des conditions pour terminer les choses que j'avais commencées, une pièce de théâtre, Le cadavre encerclé, Nejma, le roman. Et bon, à ce moment-là, je sentais qu'il était nécessaire de parler le français, même mieux que les Français, pour
pour les convaincre que nous n'étions pas français, justement. C'est-à-dire, il fallait écrire un livre dans une langue telle que les Français soient réellement ébranlés et qu'ils se disent, bon, ça, c'est l'Algérie. Bon. C'est un peu ça que je voulais faire. Avec Nejma, j'avais atteint apparemment mon but, c'est-à-dire que j'avais touché les Français. Le livre a eu un impact, il a touché beaucoup de gens, bon, la critique a été bonne. Mais je restais quand même au fond de moi insatisfait, parce que j'avais touché les Français, certes, mais pas les Algériens. Ou plus exactement, je les avais touchés indirectement. C'est vrai que Nejma, c'est le roman de l'Algérie, que ça concernait les Algériens, mais c'était quand même écrit en français, et dans un français assez recherché. Je me sentais capable de m'exprimer en arabe populaire, mais je n'avais pas trouvé l'occasion de le faire. Et ce n'était pas évident du tout. Heureusement, à un moment donné, il y a eu un concours de circonstances. D'abord, c'est formidable comment parfois les choses coïncident. C'est un maquisard de la première heure, du 1er novembre 1954, qui était en ce temps-là directeur de la formation professionnelle au ministère du Travail, et que j'avais rencontré, d'abord ici en France, puis à Alger, au moment où se posait le double problème du pétrole et de l'immigration. C'est-à-dire que l'Algérie voulait récupérer le pétrole, le nationaliser, et le gouvernement français se servait de l'immigration comme moyen de pression pour garder la mainmise sur le pétrole. Alors, il m'est apparu à ce moment-là qu'une pièce sur l'immigration serait importante à faire. Et cet ami, qui s'appelle Ali Zamoum, qui était donc au ministère du Travail, aidait déjà en ce temps-là une troupe. Il lui avait donné un petit budget, un local, des moyens de locomotion, enfin, il les avait aidés. Et c'est avec cette jeune troupe que j'ai commencé le travail en arabe populaire. Je n'étais pas du tout sûr que j'y arriverais. Au début, vraiment, j'étais plutôt inquiet. Et je me rappelle, nous avons commencé avec un morceau de L'homme aux sandales de caoutchouc, une pièce sur le Vietnam, qui concernait un peu l'immigration, puisque Ho Chi Minh a vécu ici dans l'immigration. Donc au début, j'ai amené cette scène, cette courte scène, à traduire avec le groupe. Et en cours de traduction, je me suis rendu compte que cette langue, je la connaissais. Bon, il me manquait des mots, des tournures. J'étais encore sous... j'étais resté longtemps absent du pays. Mais en travaillant pratiquement nuit et jour avec cette troupe, on a travaillé pendant 8 mois, c'était vraiment extraordinaire. C'est arrivé un moment de création collective extraordinaire, où vraiment les trouvailles fusées, c'était des moments vraiment exceptionnels. Et au bout de cette expérience, j'ai compris que je pouvais m'exprimer en arabe populaire. Restait Tamazight. Alors bon, en ce temps-là, Tamazight était encore absent au théâtre. Il n'y avait pas de théâtre en Tamazight. Mais il y avait un fort mouvement dans la chanson. Il y avait beaucoup de très belles chansons en Tamazight qui commençaient à faire le tour de l'Algérie. On sentait que cette langue frappait à la porte, qu'elle était là. Et à ce moment-là, nous avons commencé à faire un travail de traduction de l'arabe populaire en Tamazight et de Tamazight en arabe populaire, pour briser le mur
de préjugés. En Algérie, tout le monde devrait se réclamer de Tamazight. Mais beaucoup de gens sont complexés et comme l'arabisation s'est accompagnée de l'islamisation et comme les gens sont devenus croyants, qui sont devenus musulmans, à partir de là, ils se croient obligés d'être arabes, c'est-à-dire l'islamisation a entraîné l'arabisation et par là même le reniement de la langue. Alors que cette langue est encore très vivante. De toute façon, ça se sentait déjà dans la chanson, mais ça se sentait même dans la capitale, à Alger, et surtout à Alger, parce que il se trouve que la Kabylie, la grande Kabylie, n'est pas loin d'Alger, elle est à 100 km. Et les habitants d'Alger, qu'est-ce que c'est? C'est des Kabyles. Le mot Kabyle même, il demande à être expliqué, parce que Kabyle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient d'un mot arabe encore, Kabayl, ça veut dire les tribus. Ça veut dire les tribus que les Arabes ont trouvées quand ils sont arrivés. Les tribus que les Arabes ont trouvées là, les tribus donc du pays. Alors ces tribus-là sont présentes à Alger. Qu'est-ce que c'est que les Algérois? C'est des Kabyles qui sont descendus de la montagne. Et cette langue, on l'entend tous les jours dans la rue. Il me restait à retrouver ça pour moi. C'est-à-dire, moi-même, comment pouvais-je retrouver mon histoire à travers ça? Alors bon, il y a l'histoire de mes ancêtres, que j'ai essayé de retrouver dans Nejma. J'en avais retrouvé une partie dans la région de Galma. Je raconte ça dans Nejma d'ailleurs. Et je me rappelle, après, parce que tout ce que j'ai écrit dans Nejma, c'était d'après ce qu'on m'avait raconté. Je n'avais encore jamais mis les pieds dans la tribu. C'est après l'indépendance que j'y suis allé pour la première fois. Et là, comme ça, dans une veillée, j'ai entendu les gens parler. Il y en a un qui m'a cité une bribe de vers. Alors il y avait Keblout, Sekent, Tmegra, ou Tout. C'est-à-dire Keblout habite Tmegra et les mûriers. Les murs, quoi. Le fruit. L'arbre, le mûrier. Alors, Keblout, Sekent, Tmegra, ou Tout. Donc il me restait Tmegra, c'était un nom de lieu. Je savais que c'était près de Khanchla, dans le reste. Mais j'en savais pas plus. Alors j'ai été une première fois, j'étais pressé, j'ai pas trouvé, personne n'a pu me dire où c'était. Et la deuxième fois, c'était vraiment fantastique, le voyage, parce que je suis parti de chez ma sœur, Sedrata, à 100 km de Khanchla. Et en route, on a vu un vieux qui faisait de l'autostop. Et on s'est arrêté. Puis au moment où il est monté dans la voiture, il a laissé couler, il était blême, il était vraiment très mal en point. Bon, je lui ai demandé ce qu'il avait, il venait de se faire piquer par un scorpion. Alors là, c'est formidable, j'ai découvert tout en même temps, parce que tout de suite, je lui ai dit, bon, on va t'emmener à l'hôpital. Et il m'a répondu, c'est vraiment le caractère. J'ai mon fils qui m'emmènera à l'hôpital. C'est extraordinaire, cette fierté-là. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui peut m'emmener à l'hôpital, j'ai un fils. Hein, c'était vraiment étonnant. C'était vraiment pas, si c'était un citadin, il aurait pleurniché, il aurait dit, oui, emmenez-moi tout de suite. Mais lui, non, dans l'état où il était, bon. Et puis, en discutant comme ça, je lui ai demandé, Tmegra, où ça se trouve? Ah. Il me dit, je crois que c'est, je sais où c'est. Ben justement, on va à Khanchla. Et en arrivant à Khanchla, je l'ai entendu parler en tamazight, justement, parce qu'il voulait confirmer. Il interrogeait d'autres paysans. Alors là, pour le piquer un peu, je lui ai dit, comment, vous parlez encore cette langue-là ici? Il me dit, ah, pour nous, il n'y a pas d'honneur plus grand que cette langue. Et puis, bon, on s'est quitté. Alors on a cherché longtemps, c'est vraiment désertique, pas un arbre, rien, c'est la terre nue, des pistes qui s'entrecroisent, on s'est perdu je ne sais combien de fois. À la fin, bon, on a trouvé un champ de maïs, un paysan, qui nous a dit, alors bon, je cherchais, je lui ai dit, est-ce qu'il y a des Kebloutis ici? Il me dit non. Et puis à la fin, il se ravise, il me dit, si, il y a le cimetière du Keblouti. Alors là, c'est vraiment étonnant, parce que
Jusque-là, je ne pouvais pas comprendre ce que ça voulait dire un gardien de cimetière. Pour moi, ça ne voulait rien dire. Mais ce jour-là, j'ai compris l'importance de ça. Parce que bon, on va, on trouve un vieux avec un turban à la marocaine et qui nous invite chez lui. Bon, chez lui, c'était vraiment un gourbi avec les numéros de l'armée française, la commandante de la guerre. Avant d'entrer, je me rappelle bien, alors là, le premier tableau, un gosse d'une dizaine d'années qui était allongé dans l'herbe et qui dévorait un livre. J'ai jamais vu un gosse lire avec une telle avidité, un tel plaisir, une telle joie, au soleil, comme ça, bon. Puis on entre, au moment d'entrer chez lui, la porte qui tenait un fil de fer, ça s'est cassé. Ça, bon, la porte s'est abattue. Et puis, bon, on entre, il nous apporte des piments avec des œufs frits. Et bon, on discute un peu, et entre le second fils. Alors là, c'était vraiment le contraire du premier. Il devait avoir une vingtaine d'années, mais il était abattu, en haillons. C'était la tristesse même. Après, j'ai compris. Là, celui-là, il avait été obligé d'arrêter ses études, et il travaillait dans un petit truc de la révolution agraire, tout juste pour subvenir aux besoins de la famille. Mais vraiment, c'était la désolation. C'était vraiment le... Puis après, il m'a raconté vraiment comment ça s'est passé, comment le peuple était pris entre deux feux, entre son armée de libération, qui se foutait de lui comme d'une guigne, et l'armée d'occupation, qui, naturellement, ne le ratait pas. Enfin, il m'a raconté tout ça, et puis il m'a dit, à un moment donné, il m'a dit, il y a un officier, je me rappelle, j'ai risqué ma vie pour lui apporter un café. Et puis il est revenu ici, dans le cadre d'élections, il ne m'a pas reconnu. Ça a beaucoup vexé, ça. Alors bon, il m'a dit à ce moment-là, je suis allé dans une ancienne casemate où on avait l'habitude de se réfugier. Puis il m'a dit, j'ai trouvé des peaux de serpents morts. Donc il m'a dit ça avec un... Hein, c'est vraiment terrible. Et après, il m'a montré, alors c'est le cimetière. Et c'était extraordinaire parce que la tombe de l'ancêtre, elle est marquée par un pilier romain, par un grand morceau de pilier romain. Puis après, il y a des ancêtres de moindre importance ou peut-être plus jeunes. Eux, ils ont droit à des plus petits morceaux de piliers. Et puis alors là, vraiment, les tombes sont tout autour. C'est des pierres grises avec l'herbe et tout ça. Ça a l'air d'un comité central des ancêtres, vraiment. C'est une assemblée. C'est vraiment étonnant. Eux, j'espère qu'ils ne le reconstruiront pas. Ils ne s'amuseront pas à mettre ces bornes kilométriques avec des enjolivures comme ils font maintenant, les tombes modernes. Parce que là, c'est vraiment très beau. C'est le cimetière ancien, très ancien. Bon, donc là, pour moi, c'était la confirmation de tout, puisque là, on ne parle que Tamazight. Là, il n'y a pas, tout le monde parle Tamazight. Alors donc, je suis revenu avec la conviction que c'était ça, le but final, c'était défendre cette langue et arriver à ce qu'on enseigne. Parce qu'elle est vivante, mais elle est étouffée, elle est opprimée, elle est littéralement persécutée. Au point que, par exemple, des petites filles qui chantent, hein, on leur interdit de chanter en tamazight. On veut les obliger à chanter en arabe. Ça, c'est terrible. Et ça se faisait déjà au temps des colonialistes, ça. Où on disait, ne parlez pas arabe, ni berbère, parlez français. Beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de groupes qui ont été interdits, beaucoup de... Bon, nous, on a commencé à ce moment-là, avec la guerre de 2000 ans, un travail sur l'histoire, l'histoire de la Kaïna, par exemple, qui est notre grande héroïne nationale, c'est un peu notre Jeanne d'Arc. C'est une femme qui a été à la tête des tribus en Algérie et qui a résisté aux Arabes, à l'invasion arabe, et qui est morte au combat. Bon, on dit d'elle, comme on dit toujours, de ces héros qui se sont jetés dans des puits ou qui se sont suicidés pour les amoindrir. En fait, elle est morte au combat. Et à partir du moment où nous avons fait cette pièce, nous l'avons faite en arabe populaire, traduite en tamazight, et puis nous avons commencé un travail dans les universités, dans les lycées, juste
parallèlement et un peu avant et parallèlement aux événements qui ont conduit à Tizi Ouzou, les fameuses manifestations de Tizi Ouzou. Bon, là aussi, c'est une chose très... Bon, c'est quoi? C'est Mouloud Mamri, un écrivain algérien, qui a fait une conférence, qui devait faire une conférence, sur la poésie ancienne des Kabyles. Bon, ça n'a rien de... Hein, apparemment, ça n'a rien de subversif. C'est la poésie ancienne des Kabyles. Bon, mais comme la chose commençait à devenir explosive, la wilaya, le préfet, quoi, a interdit la conférence. Bon, il a interdit la conférence, alors à ce moment-là, les étudiants sont descendus dans la rue et la population s'est solidarisée avec eux d'une manière massive et il y a eu une répression très féroce qui a fait que le mouvement a eu un profond retentissement dans toute l'Algérie. Il continue. Il continue à l'heure actuelle. Nous avons maintenant, par exemple, une grande partie des créateurs qui sont en exil, beaucoup sont en France. Et nous avons un grand poète ici actuellement, qui s'appelle Mahia, qui est devenu épicier, ici à Paris. Bon, c'est un homme extraordinaire, parce qu'il écrit lui-même, c'est un poète, il écrit en tamazight, et il traduit. Il a traduit Beckett, il a traduit Pirandello, en tamazight. Alors qu'on nous disait que cette langue, c'était un patois destiné à mourir, qu'il n'y avait rien à faire, etc. Bon, des hommes comme ça montrent que la langue est vivante. Et à l'heure actuelle, je crois que notre combat, c'est ça. C'est affirmer dans cette langue une Algérie qui soit débarrassée, qui soit désaliénée, aussi bien du mythe de l'Algérie française que du mythe de l'Algérie arabo-musulmane, qui soit enfin l'Algérie elle-même, l'Algérie tout court. Et c'est déjà beaucoup, parce que l'Algérie tout court nous ramène à une autre dimension, c'est la dimension africaine. Comment inscrire notre combat pour la langue, pour l'Algérie, pour la société algérienne, pour la libération totale de l'Algérie? Parce que la question de la langue détermine tout, étant donné qu'elle est liée au complexe arabo-islamique, puisque la langue est liée à la religion, et puisque, à l'heure actuelle, tout ce qui se fait en Algérie contre le peuple algérien se fait au nom de la religion et au nom de la langue arabe. Par exemple, la femme. Bon, la femme, elle est au centre de la société. Chez nous, la femme est opprimée. Elle est quotidiennement opprimée. Au nom de quoi? Au nom de l'islam. Au nom de la religion. Un exemple. Parce que si on reste en termes généraux, ici en France, peut-être qu'on ne comprendra pas. Je prends l'exemple de ma sœur, qui est enseignante, dans un douar, même pas un village, un petit hameau, où elle a d'excellents résultats, d'ailleurs, ses élèves réussissent toujours les examens, elle est très aimée de la population, elle a épousé un cousin, qui récemment a pris une seconde femme, parce que la polygamie est encore admise en Algérie. Alors, non seulement il a pris une seconde femme, mais il a voulu l'imposer à ma sœur dans son logement de fonction, puisque en tant qu'enseignante, ma sœur a un logement. Et c'est donc, lui-même, il habite dans le logement de ma sœur, au fond. Et n'empêche qu'il a voulu lui imposer cette seconde femme, chez elle. C'est une situation que vous ne pouvez pas imaginer ici. C'est pourtant ce qui s'est passé là-bas. Bon, j'ai tout fait. Je suis intervenu. J'ai vu même le ministre en personne, le ministre de la Justice, qui est intervenu, mais ça n'y a rien fait, parce que sur le plan local, la réaction est très forte chez nous, beaucoup plus forte que dans la capitale. Et les relations, comme ma famille ne passe pas bien lourd sur le plan social, on a affaire à des féodaux, à des gens bon, très forts, qui ont du pouvoir. Eh bien, ma sœur n'a jamais réussi à se faire recevoir par le procureur pour demander le divorce. Combien de fois elle prenait un taxi pour une femme chez nous, c'est terrible. Une femme seule qui prend un taxi pour faire 18 km, aller à Sedrata, pour rester des heures entières, dans l'espoir de se faire recevoir par le procureur pour demander le divorce, jamais le procureur ne l'a reçu, jusqu'à présent. Bon, voilà.
Ça, malgré l'intervention du ministre de la Justice en personne. Bon, ça vous donne une idée de la situation de la femme algérienne à l'heure actuelle, au nom de quoi? Au nom de l'islam. Bon, il y a eu pourtant un mouvement très fort chez nous, puisque pour la première fois, on a vu les femmes manifester au centre même de la ville, 200 femmes qui se sont réunies. Il y a eu bon, d'innombrables manifestations, des écrits, bon, toutes sortes de réunions, puis à un moment donné, le pouvoir semblait prendre au sérieux la chose. Il y a eu un débat du Parlement, mais ce débat n'a jamais été rendu public, la presse n'en a jamais rien publié, et puis on a appris après, en quelques lignes dans la presse, que le code de la famille, comme on l'appelle, avait été adopté. Et ce code ne change rien, pratiquement rien à la situation de la femme. Et tout cela se fait au nom de la religion, et la religion, elle a pour support cette langue arabe, cette arabisation, qui, à son tour, repose sur la persécution de ce que nous sommes réellement, tamazight, parce que, je vous parlais tout à l'heure de la Karina, ce mot lui-même est au fond. Tous les mots sont des mots pièges, parce que Karina aussi, ce n'est pas le vrai nom de cette femme. Puisque Karina, c'est le nom que lui donnaient les Arabes. Karina, c'est un peu la même racine que Cohen, en hébreu, ça veut dire quelque chose comme à la limite entre prophétesse et sorcière. Pourquoi? Parce qu'elle avait le don du verbe, parce qu'elle parlait bien. Et c'était comme ça qu'elle, c'est comme ça qu'elle est entrée dans l'histoire, comme une femme qui parlait très bien, qui savait convaincre. Et convaincre de quoi? Convaincre un peuple de son identité, puisqu'elle était à la tête de ce combat, et pas pendant un an ni deux, et ça a duré plus de 10 ans. Bon, seulement son combat à elle, qui venait après d'autres. Alors comment se fait-il qu'un pays qui a été dirigé par une femme devienne maintenant un enfer pour les femmes? Pour nous, comment combattre au théâtre? Alors il y a évidemment 1000 façons de combattre. Il y a, bien sûr, le théâtre ne suffit pas, parce que la parole en soi, je sais que moi je ne rate jamais une occasion, les conférences par exemple, les prises de parole un peu partout, chaque fois que l'occasion s'en présente. L'anniversaire par exemple de Tizi Ouzou, des manifestations de Tizi Ouzou, nous ne manquons jamais d'organiser des réunions et des conférences à cette occasion. Et il y a... Les mille manières de diffuser une action culturelle, puisque nous avons une association qui s'appelle l'Action culturelle des travailleurs. Nous avons formé, à un moment donné, contribué à la formation d'un groupe de spéléologie même, enfin, c'est-à-dire nous ne négligeons aucune forme d'action, de manière à défendre cette langue, et qui se porte de toute façon, qui se parle bien, qui vit, mais pour l'imposer, pour vraiment en faire une arme de tous les jours, pour que les Algériens comprennent que c'est leur langue et qu'il est vital pour eux de la revendiquer, de la faire vivre. Au théâtre, pour nous, je crois que c'est l'histoire surtout qui est importante à mettre au théâtre. Parce que lorsque j'ai été au Vietnam, j'ai remarqué, c'est une chose qui m'a beaucoup frappé, que les Vietnamiens ont porté toute leur histoire au théâtre. Bon, ici, en France, ça paraît... Enfin, c'est une porte ouverte, parce que ici les gens connaissent leur histoire. Chez nous, non. Et justement, les régimes autoritaires, les régimes antipopulaires, reposent en grande partie sur l'ignorance des gens. Et quand on ne sait pas qui on est, quand on hésite entre ce qu'on est et ce qu'on n'est pas, naturellement, ça laisse le champ libre à toutes sortes d'oppression et de dictature. Lorsque les gens savent qui ils sont, on l'a vu avec l'idée de l'indépendance. Tant que les Algériens ne croyaient pas à l'indépendance, tant que ça leur semblait utopique ou tant qu'ils n'en étaient pas convaincus, on pouvait penser que l'Algérie était devenue française. Elle n'avait pas bougé pendant longtemps. Mais le jour où on a vu, par exemple, qu'un peuple comme le peuple vietnamien avait réalisé cette idée, et que ce n'était plus une utopie, ça a fait le tour de l'Algérie en quelques années.
L'idée s'est imposée. Alors maintenant, allons jusqu'au bout. L'indépendance, oui. Le drapeau, oui. Mais qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que nous sommes réellement libres? Est-ce que nous sommes réellement nous-mêmes? Est-ce que l'Algérie est réellement, aujourd'hui, libérée, entièrement libérée? Non. Elle est libérée du colonialisme français. Mais il y a encore d'autres formes de colonialisme. Parce qu'après tout, le colonialisme français a duré 130 ans. Hein? Le colonialisme turc a duré quelques siècles. Mais quelle est la plus épaisse couche de colonialisme? C'est bien la couche arabo-islamique, parce que celle-là date de 13 siècles. C'est 13 siècles d'oppression, parce que pendant ces 13 siècles, maintenant, on tend à nous faire croire que nous sommes devenus arabes et musulmans, comme si ça allait de soi, et comme si ça ne nous avait pas été imposé par les armes, par la violence. Parce que pendant tous ces siècles, on a imposé l'arabe et persécuté Tamazight. Et nous le voyons aujourd'hui, ça continue. Alors maintenant, il faut remettre les choses à leur place. Nous ne sommes pas anti-arabes, pas du tout. Mais ça, d'abord, il n'y a pas de monde arabe, ça n'existe pas. Il n'y a pas de peuple arabe autre que le peuple d'Arabie Saoudite. Quant au peuple de langue arabe, chacun son arabe. Ces peuples de langue arabe sont nos frères au même titre que tous les autres peuples, sans aucune priorité. Je ne vois pas pourquoi on privilégierait un arabe. Pour moi, qu'il soit arabe, africain ou sud-américain, un peuple est un peuple. Et l'internationalisme suppose qu'on ne s'en tienne pas à ces régionalismes qui sont en fait des pièges du nationalisme. Une autre sauce, élargie, délayée, hein, dans les relents d'histoire, etc. Maintenant, nous voulons mettre les points sur les i, et le théâtre le permet. Lorsque nous avons fait la guerre de 2000 ans, c'était au moment précisément où on célébrait le 20e anniversaire de la Révolution. Bon. Alors la Révolution, bien sûr, c'est pas seulement les embuscades pour nous, c'est pas seulement les embuscades qui ont abouti à la défaite du colonialisme français. La Révolution a des racines historiques. Et par là même, nous avons, en disant la guerre de 2000 ans, ça veut dire que ça remonte loin. Et ça nous a permis de ressusciter la Carina. Chose qui semblait impensable, puisque ils n'ont pas interdit la pièce, mais comme par hasard, au moment où nous avons commencé à la faire, nous l'avons même emmené ici, au Festival de l'Automne, les émigrés, au moment où nous avons commencé à la faire, comme par hasard, à la radio, on a fait quelque chose sur la Carina, où on l'a traitée comme une sorcière, comme une femme fanatique qui pratiquait la politique de la terre brûlée, en quelque sorte, qui s'opposait au progrès que l'arabo-islamisme a amené en Algérie, etc. Bon. C'est-à-dire que c'était vraiment une riposte à notre pièce. Bon, apparemment, bien sûr, la radio porte plus qu'une simple troupe de théâtre. Mais par le fait que nous ne sommes pas au pouvoir, hein, nous n'avons pas les possibilités de nous exprimer librement, et nous n'avons pas tous les moyens qu'ont la radio et la télévision, le peuple ne l'ignore pas. Et quand nous faisons la moindre de nos manifestations, a un écho d'autant plus grand que les gens savent que c'est un combat, hein, que c'est vraiment contre le pouvoir établi que ces choses-là se disent et se font. Et par là même, ça enhardit beaucoup de jeunes, alors maintenant, dans les lycées, surtout chez les étudiants. Ça a gagné pratiquement toute l'Algérie maintenant. Il n'y a rien à faire. Tamazight, ça existe maintenant. C'est une chose qui... il ne se passe pas de mois, d'années, sans que... Après, on l'apprend souvent des années plus tard. Il se passe des choses. Le mouvement est dans l'air. Il est vivant. Alors, nous sommes sûrs de gagner, il n'y a pas de doute. Ça demandera certainement beaucoup de temps. Mais ces combats-là sont des combats de longue haleine. Ce n'est pas... D'ailleurs... Plus ça dure, et mieux ça vaut, parce que ça permet d'approfondir les choses.
الجزائرية كنت في جميع القضايا العادلة Nous sommes sûrs de gagner, il n'y a pas de doute. Ça demandera certainement beaucoup de temps. Mais ces combats-là sont des combats de longue haleine. C'est pas... D'ailleurs, plus ça dure, et mieux ça vaut, parce que ça permet d'approfondir les choses. Puisque nous, notre but n'est pas de prendre le pouvoir. Hein? Notre but, c'est de tourner le dos à toute forme de pouvoir. Notre but, c'est de nous adresser au peuple pour qu'il se retrouve lui-même et qu'il exerce lui-même tous les jours son propre pouvoir. Et il le peut. Ça paraît utopique, mais je reviens à la phrase de Lénine quand il disait « Une femme de ménage devrait pouvoir s'occuper des affaires de l'État ben ». Effectivement, c'est ça. Il faut arriver à une prise de conscience des gens tels qu'ils puissent s'occuper de leurs propres affaires sans avoir besoin de les déléguer ni au maire, ni au conseiller général, ni aux députés. Puisqu'après tout, les choses ne sont pas sorcières. Ben, il faut apprendre, il faut prendre ses responsabilités. Je crois que maintenant... En Algérie, les choses sont en train de se faire. Elles sont parties pour se faire. Et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et nous savons aussi que dans l'immigration, nous avons des forces très importantes qui sont au travail. Alors là, je crois que justement, tout le mal qui a pu être fait au nom du peuple français bon, pendant la période coloniale, tout ça, ça peut être effacé aujourd'hui par une mise en commun des efforts pour retrouver la véritable identité de l'Algérie. Et à ce moment-là, je crois que les Français peuvent aider à la libération réelle de l'Algérie maintenant sur le plan culturel, en nous aidant à retrouver notre histoire. Et je crois que c'est lié, parce qu'on finira par comprendre que tous les peuples sont frères, c'est des frères orphelins, il faut qu'ils se retrouvent. Voilà. Thank you.